Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Un grand coucou à toute l'équipe de Jésus et mon guide. C'est Catherine avec vous pour vous présenter la séquence de ce mercredi 10 août 2022 où nous fêtons les Laurents. Bonne fête à vous et joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Bien évidemment, nous allons commencer la petite séquence en invoquant l'Esprit Saint, suivi de la lecture du jour, du commentaire et du psaume. Belle écoute à vous. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans nos souffrances, ô consolateur, de tous nos combats, force des humbles, viens nous délivrer. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, en toute notre être,
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 10. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Frères, rappelez-vous le proverbe : à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toute chose et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de bien. L'Écriture dit en effet de l'homme juste : il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ceux que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour Catherine, bonjour Dani, bonjour tout le monde sur le plateau, les auditrices et les auditeurs. Un petit coucou à Colette, un petit coucou à Pauline, un petit coucou à Samuel, un petit coucou aussi à Marie-Yvette, un petit coucou à toutes les personnes qui suivent à nous sur YouTube, hein, qui osent exprimer azote sur YouTube pour cette émission. Eh bien, merci en tout cas les filles de me donner une place dans cette séquence où ça m'a parlé un peu de ce passage d'écriture là. Eh bien, il commence un petit peu comme Jésus, hein, dans un passage de l'évangile. Jésus dit: on vous a dit que, et moi je vous dis. Et moi il me dit comme ça: on vous a dit que. Il dit, il faut pas dire merci, hein, il dit pas merci sinon il n'aura plus. Ça, on vous a dit. Mais tu connais, dans l'armée, on sait quoi. Moi, je vous dis aujourd'hui, Marcel Idiazot, que donner un élan de gratitude, dire merci, c'est quelque chose de merveilleux. Et à nous tous, si nous dit merci, qu'on nous donne un élan de gratitude, ben nous reçoit aussi un élan de gratitude à notre tour. C'est comme un effet boule de neige. Et quand nous donne l'amour, la joie, le bonheur, quand ça nous reçoit, ben, nous reçoit l'amour, la joie, le bonheur. Et si nous avons l'abondance pour recevoir des tas de grâces, les bras, le cœur rempli, ben, il faut que nous donne aux autres, à l'univers, à tous nos frères et sœurs, il faut nous donne les bras ouverts et les mains ouvertes. Je connais la chanson. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Ça, tu connais, c'est un chant de mon âge. Ah, mais seulement que nous donne. Nous les presser. Nous veut recevoir la récompense tout de suite. Pour ça, m'invite à Zot à réécouter un petit coup, si Zot n'a le temps, hein, le 3x5 du dimanche 7, là, le dernier 3x5 du dimanche, premier dimanche mois d'août. Et nous l'est en colère parce que nous ne reçoit pas la réponse de Dieu. Et nous abandonne parce que nous pensons que bon Dieu n'y entend pas. Allez, waouh, c'est nous qui attend pas. Zot, tu crois bon Dieu ne gagne pas entendre, mais c'est nous qui ne gagne pas attendre. Ou bien la manière bon Dieu il rend à nous l'exaucement de notre prière, mais il est mal vu par nous, nous voit pas, nous les aveugles, nous pas content ce qu'il donne à nous. C'est comme si vous donnez ma main, mes copains, un cadeau et le maman refuse le cadeau. Tiens, mais fais pas ça, maman donné. Mais finalement, 2-3 jours plus tard, ben il est content ce cadeau. Hein, Inès, tu te rappelles de la petite poupée africaine que je t'avais donnée là-bas, hein, à Chikoni, hein? Personne ne t'aime pas poupée là, mais Inès la prend la poupée. Mon Dieu Seigneur, la CSA compte elle. Et l'étonnant en fin de compte. Aujourd'hui, simplement, l'Écriture y invite à nous à remercier le ciel. Et également,
à faire de belles actions. Et ces actions, c'est par la grâce que nous reçoit, nous refait des actions. Nous, quand le Seigneur investit sur nous, il investit sur nous et nous, il doit mettre à nous au travail en direction de la paix, en direction de l'amour, en direction du pardon, en direction de la joie. Et quand nous chantons, nous, Evenu Shalom Alerem, qui se traduit par Nous vous annonçons la paix. Après, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la paix, l'amour, la joie de Jésus. Pop, pop, pop. Et là, nous dansons, nous sourions, nous faisons des chorégraphies dans l'église. Mais, chers amis, d'accord, nous annonçons la paix. Mais avant d'annoncer la paix, nous annonçons la paix de Jésus. Il faut nous transmettre, il faut nous vivre cette paix-là. Et bien sûr, avec la force que Dieu donne à nous par son Esprit Saint, il faut que nous créions cette paix-là. Ou bien nous co-créer cette paix-là à travers des gestes quotidiens, à travers nos comportements. M'y aide mon voisin, oui. M'y aide mon cousine. M'y aide mon cousine pour l'anniversaire de son petit garçon. M'y aide mon maman. M'y aide mon papa. Et m'y passe le temps avec Banna. Hein. Ah, même au week-end, si Banna a besoin. Moi là, ah oui. Compte sur moi. Et quand ou le cas, ou fait pas un compte avec ses coudis, femme-là. Ou découvre ma amie seulement. Voilà, c'est ça que vous dites. C'est ça que vous faites. Ou j'ai ou tiercé. Ou bien ou ça tout en bas. Pour lustre ou tsehat. Aspirer, bien nettoyer, pour un produit, pour faire briller la jante, pour faire briller le volant. Ou bien voilà, c'est ça votre vie. Et dans ce temps-là, ou pas que ou petit madame là, cette femme-là, comme on dit là, il attend juste d'autre part un sourire. Un câlin. Et quand on est parmi votre famille, quand votre famille fait un repas, ou bien quand votre famille vient chez vous, ou bien même plutôt quand votre camarade vient chez vous, garde football, ou veut que votre madame il vient servir maintenant d'espé, ou veut que votre madame il sorte là-bas, il y a maintenant un petit manque de pistache, d'olive et amuse-gueule pendant que les autres là pour garder football. Mais non, elle est ça dans sa chambre. Ben, à cause dont, une semaine, moi elle est là. Ou fais même pas un compte avec moi, ou dis pas moi merci, mal la repasse au linge, mal la change drap, mal la nettoye partout, mal la occupe le son maramaille, mal la partie réunion, l'école, parents, professeurs, mal fait vaisselle tout le temps, ou linge repassé, et ou donne à moi aucune attention, ou dis même pas moi merci, et là ou veut que me vienne servir de mon camarade, hein, et me t'es même pas au courant que Banaté vient, à semer trop peu. On récolte trop peu, nous dit la parole d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le texte, il propose à nous à semer largement. Oui, semer largement. Donne des bons conseils, donne des paroles qui fait vivre, qui fait grandir. Donne des paroles pour mettre le monde en l'air. Fais des actions qui mettent le monde en l'air. Et tracasse pas. Si nous n'avons pas les fruits de nos efforts aujourd'hui, si nous n'avons pas les ni demain, ni après-demain. À haut, où le travail, c'est de semer. Semer l'amour, semer la tendresse. Bon Dieu va faire les restes. Peut-être, les bonnes plantes vont pousser dans notre jardin. Pas grave ça. Peut-être, les bonnes plantes vont pousser à un autre endroit. Pas grave ça. Pourvu que où? Faut de boulot. Faut de boulot de prêtre, de prophète et de roi, de baptisé. Comme dit, de roi, il pète de reine aussi. Hein? Et laisse Dieu sauver l'humanité. Laisse Dieu aller au cœur de ces gens-là à travers votre parole, à travers toute intention, cet amour qu'on a donné, c'est le fait de vouloir prendre soin des autres et remercier le Seigneur chaque jour pour le souffle qu'on en a, pour cette faculté aujourd'hui qu'on en a. Ou écoute-moi là, ou écoute-moi d'ici radio, ou écoute Catherine, ou apprécie le travail de Dani. Mais remercie le Seigneur pour ça. Remercie le Seigneur pour chaque geste de vie. Quand on finit de prendre. Ouais. Fin de doucher, fin de mettre tout petit gel douche sur lui, il mousse bien là. Qu'on regroupe de l'eau. Waouh, de l'eau coule. Remercie le Seigneur pour ça aussi, parce que si ça se trouve, si le Seigneur il s'en mêle là, qu'on regroupe de l'eau, la fini. Runeo ou bien. Combien la SOGA. Ben, ne coupe de l'eau à ce moment-là, et là, ma fille, elle me dit, oh, trappe-ci à viette. Enlève la mousse. Enfin, heureusement. Vraiment, elle est comme ça. Mais à chaque geste, à chaque réveil qu'on fait, à chaque clé qu'on trouve,
Des fois, on perd la clé, qu'on retrouve la clé. Remercie le Seigneur. À chaque petite pièce, l'argent, on trouve d'autres cases. Remercie le Seigneur. À chaque fois, on passe devant un barreau, néné, un chien, yaboye. Remercie le Seigneur parce que le barreau n'est pas ouvert. À chaque instant de notre vie, nous n'avons des tonnes et des tonnes de raisons de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur que ma maman n'est pas malade. Remercie le Seigneur qu'elle enlève des cailloux sous de vie. Remercie le Seigneur en tout temps et dans le silence. Qu'on n'a pas rien pour faire. On n'a pas rien pour faire des fois. Il arrive au ça, on ne voit rien pour faire. Au lieu où on pense, ah, un tel a fait moi ceci, un tel a fait moi cela, un tel a laissé vaisselle dans l'évier, un tel normalement il doit arriver 7h, la fin arrive 7h05, il n'y a pas quoi arriver. Remercie le Seigneur en tout temps. Voilà, mais remercie les autres en remerciant le Seigneur en même temps. Merci, bye bye, c'est Marcel Saint. Homme de bien pitié, il partage. L'homme de bien pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien pitié, il partage. L'homme de bien pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. L'homme de bien pitié, il partage. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. L'homme de bien a pitié, il partage. Homme de justice, de tendresse et de pitié. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. La séquence prend fin. Merci à toi Marcel de m'avoir accompagné. Mois d'août, mois de Marie, je vous propose un chant d'Emmanuel Music, Réjouis-toi Marie. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et agréable journée. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est...